Yep! Bonjour à tous, c'est parti pour l'épisode 43. Et ça, j'avais créé des mondes pour faire des tests. Mais nous, on est go sur le monde du LP. Alors, on est dans mon usine à bois. D'ailleurs, est-ce que c'est plein? Ouais, ici, c'est plein. Premier Hooper plein. Deuxième. Ah, c'est pas encore. Le témoin ne s'est pas encore allumé. Ouais, alors ça, c'était une énorme construction. C'est possible de faire beaucoup plus simple. On verra quand j'aurai de l'or. Parce que pour faire les gearbox, il me faut de l'or. Et comment on va faire beaucoup d'usines, il me faut beaucoup d'or. Donc, on va faire, dans cet épisode, on va faire l'usine à or. Et après, je vous montrerai tout plein de mécanismes d'usine. On peut faire beaucoup plus simple que ça. Mais ce qu'il y a de bien avec cette usine, c'est que tous les objets sont acheminés avec de l'eau. Et on remplit. Donc on remplit tout en haut ici de bois brut. On s'occupe de rien, on laisse tout remplir, on laisse tourner toute l'usine. Et on aura tous les types de bois. Et aussi les petits engrenages. Et quand c'est plein, cette lumière s'allume. Donc ici, je vais fermer plus joli plus tard. Ça, on verra. Bref, pour l'instant, pour faire l'usine à or, vous m'avez beaucoup dit de faire des mêmes systèmes qu'il y a en vanilla ou de faire sur le toit du Nether. Mais je vais pas faire sur le toit du Nether parce que c'est du cheat. Et oui, c'est du pur cheat. Il n'y a pas moyen. Du coup, on va s'atteler à la tâche à l'intérieur. Et je vais faire pour cela, il me faut des soulurnes et des arbres de sang. On va faire tout ça. Les monstres dans le Nether sont un petit peu modifiés. Donc tous les mobs du Nether, ils spawnent uniquement sur de la Netheracte ou la pierre des donjons. Si on pose de la terre, du bois, n'importe quel autre bloc de Minecraft, les monstres ne spawneront pas dessus dans le Nether. C'est Flower Shield qui a modifié ça pour permettre de ne pas être embêté lorsqu'on fait de grosses constructions dans le Nether. On peut faire des jolies maisons, des jolis bâtiments dans les airs. Et on n'est pas embêté par les mobs. Et les pics zombies ne droppent pas de nuggets, de golden nuggets. On peut récupérer l'or uniquement sur les zombies qui ont une épée en or. Et on récupère l'or en faisant fondre l'or. Sinon, sur les pics zombies, qu'est-ce qu'il y a encore qui a été modifié? Les Wistandaman. Sur les pics zombies, alors en fait, les pics zombies sont attirés par les cochons. Si on tape un cochon, les pics zombies s'énervent. Mais si on fait passer des cochons dans le Nether, ils se transforment en pics zombies. Ils sont aussi énervés justement si on plante des arbres de sang. On va voir tout de suite, on va faire un arbre de sang. Comment ça s'appelle? Wood, blood, blood, blood. Voilà. Alors, pour faire un arbre, il faut une pousse de chaque arbre, 8 urnes et de la netherwart qu'on met dans un chaudron. Donc, je vais préparer un peu de matériel, je vais faire ces arbres et vous allez voir, je vais vous expliquer comment ça fonctionne ce bazar. Alors, les pousses d'arbres, j'ai ici. Il faut que je fasse des soulures. Ouais, à tout de suite. Voilà, je me suis fait une petite 64N sous l'urne. Du coup, on va faire une pousse d'arbre de sang. Donc, il faut 8 sous l'urne. Tac. De la netherwarte et un arbre de chaque type. Et là, ça cuit. Et nous allons obtenir la pousse des arbres de sang Bloodwood. Tic. Et voilà. Alors, c'est un arbre assez spécial qui peut pousser uniquement sur la Soul Sand normalement, sauf erreur. Voilà, le problème c'est que ces pousses elles ne poussent pas dans l'overworld. Normalement ça pousse uniquement dans le Nether. Si on plante dans le Nether, elles poussent naturellement. Et en fait, si on plante un de ces arbres à côté d'un pic zombie, bah, il va s'énerver. En fait, tous les pics zombies qui sont autour, si on plante un arbre, tous les pics zombies nous sautent dessus. Du coup, on peut peut-être utiliser ça pour faire la machine. La machine à or. Mais si on jette dessus une soulure, comme ceci. Pouf! Et voilà! L'arbre pousse instantané.
C'est assez cool ça permet de on peut pourrait automatiser la coupe de bois parce qu'on pourrait imaginer que qu'ici derrière je mets toute une longueur de avec des scies et qu'à chaque fois qu'on fasse pousser l'arbre tout le bois se fait couper. Si on tape ça fait un bruit bizarre dégueu. Ben. Et d'une fois, il suffit d'en planter un parce qu'après. Ouais, ça fait du bruit quand on coupe. Et les feuilles, quand elles se cassent, on récupère des pousses d'arbres. Et si on coupe avec la scie, on obtient qu'est-ce qu'on obtient? On obtient de l'arbre du bois de jungle. Ça, c'est peut-être un peu dommage. Il aurait pu faire un nouveau type de bois. Mais je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Est-ce que je vais obtenir une pousse? S'il vous plaît. Pas de pousse? Pas de pousse. Ah si, une pousse. Phew! C'est quand même pratique ça, hein? Tac. Une petite saoulure. Faire gaffe de pas jeter à côté parce que sinon il y a un ghast qui débarque. Alors je coupe encore juste ça. Attention les oreilles. Voilà. Ça fout les boules. C'est joli ces feuilles rouges. Ces feuilles ensanglantées. Alors, ben, j'ai vraiment 2 pouces. J'en ai déjà récupéré une. Ouais, j'ai eu 2 pouces. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, on va les scier. Je vais vous montrer pourquoi c'est pratique. Je pense que je vais faire un grand champ dans les airs de ces arbres. Ça permet de faire une économie. Regardez, ici, on va couper. Ouais. Voilà. Et on récupère de l'écorce de sang et de la soul dust. Et je vais vous montrer pourquoi c'est pratique la soul dust. Parce que comme vous vous rappelez, pour faire des soul urnes, il faut une urne et 8 netherrack broyés. Mais en fait, on peut remplacer la netherrack broyée, qui est assez coûteuse et qu'il faut miner, qu'on ne peut pas automatiser. Par contre, les arbres de sang, on pourrait automatiser. Et avec ça, si on jette dessus, voilà, ça fait aussi une urne. Donc, c'est beaucoup plus économique. On pourrait faire une énorme usine d'arbres de sang. Et avec les copeaux de bois de sang, faire tout plein d'urnes. C'est beaucoup moins coûteux que de le faire avec de la netherrack. Et je pense qu'on utilisera ça pour faire notre système de soulure automatique. Bref, là, pour l'usine à or, je vais faire des. Comment ça s'appelle? Des bidons de ciment. Qu'est-ce que c'est ça? Ciment. Voilà, ça, des bidons de ciment. Alors, ça coûte pas très cher. Enfin, il faut des bidons, soulure. Du sable et du gravier qu'on met cuire et on obtient un bidon de ciment. En fait, quand on le verse, ça coule comme de l'eau, d'une matière assez bizarre et tout se transforme en pierre. Et je vais en faire pas mal de ces bidons, bah, je vais utiliser dans le Nether pour faire ma petite usine à or, vous allez voir tout ça. Donc, je prépare ces bidons, je prépare du matériel et on va dans le Nether avec le sourire. À toute allure! Je vous montre quand même quand on en fait un. Alors, un bidon, un gravier, un sable, une soulure. Toudou! Et magie. On va peut-être le verser comme ça, vous voyez ce que ça fait. Faudrait que je me renseigne. Je crois qu'on peut activer avec de la redstone cette pâte bizarre. Et si on verse sur l'eau, ça transformera aussi l'eau en pierre. On va en verser un pour tester. On va faire comment? On va faire comme ceci. Et on verse là. Tac! Waouh! Faut faire gaffe parce qu'on peut être prisonnier dedans, je crois. Ah non! Vous voyez, ça gagne du terrain sur l'eau. Waouh! Oh non! J'aurais pas dû. Je vais abîmer le lac. Purée, ça va vachement loin quand même. Et voilà, d'une fois que c'est comme ça, après ça se transforme petit à petit en stone. Donc ça c'est vachement pratique par exemple dans l'Inde ou dans le Nether si on veut descendre depuis le haut on peut verser ce bidon et on pourra descendre.
En plus, c'est pas très coûteux à le faire. Qu'est-ce que c'est ça? T'as cassé le nénuphar. Et voilà. Je sais pas exactement la portée maximale. C'est un peu plus que l'eau, mais c'est un peu moins que. Que je sais pas quoi. Faut que je fasse gaffe. Maintenant, les monstres, ils peuvent spawner ici. Ouais, je vais miner tout ça. Bon, je prépare du matériel et on se retrouve dans le Nether. Allez, à tout à l'heure. Bon, let's go dans le Nether. J'ai l'inventaire quasi plein de ces bidons. Je vais devoir faire plusieurs allers-retours, je pense. On verra tout ça. Ça va être sympa, première construction dans le Nether. Bon, je vais faire quelque chose de vraiment déjà basique. Et on améliorera par la suite. Bien évidemment. Parce que dans le Nether, c'est vraiment trop dangereux d'être, comment dire, à couvert. D'être à l'extérieur. Parce que les ghasts, ils sont vraiment méchants. Il y en a beaucoup. Et puis c'est impossible de travailler dans ces conditions. Du coup, ce que j'ai prévu de faire, enfin, on va voir si c'est. Il me semble qu'il y a un nez. Oh là là, c'est là. C'est la foire des pigs ici. Purée, j'en ai jamais vu autant. Il y en a un qui est mort d'ailleurs. Il y a une épée là. Est-ce que ça vaudrait la peine que. Ouais, allez. On va faire un petit combat. Enfin, un petit. C'est un peu chaud les marrons. Ah, j'ai pas d'arc. Comment. Oh. J'ai un peu peur. Est-ce que j'en tape un puis je cours? Non, mais ils sont trop nombreux. Attends, celui-là. Il faut que je me cache. Allez, venez ici. Je sais pas si j'ose. Viens là, toi, viens. Attends. On va faire comme ça. Il faut faire gaffe parce qu'ils sont violents, ces machins. Est-ce que. Non, mais j'ose pas, je suis fou. Il n'y en a pas un qui veut venir là? On va. Comment on va faire? Tic. Ah, toi t'es là. Oui, viens là. Oh! Ouh là là. Allez, crevez tous. Ils sont vraiment violents, hein, les pigs zombies. Alors, est-ce que je peux. Ouh là là, coucou. Là, je passe déjà une usine à pigs zombies ici. Je fais avec mon épée. Ah, pas mourir, toi. Voilà. Ah, mais j'ai l'inventaire plein. Ah merde. Qu'est-ce que je jette? Je vais poser ça. Allez, je vais mon épée. J'ai un coffre pas loin. Oh là là, il y en a du bordel. Voilà. Alors, j'espère qu'il n'y a plus de pig. Piggy? Piggy? Il n'y a plus. Il n'y a plus de piggy. Je suis fou. Je suis fou! Mais c'est pas grave. Au moins, on a une épée. Ça fait déjà 2 fois 9. Ça fait 18 pépites. Il y en a un tout là-bas. Mais je pense qu'il n'est pas énervé, celui-là, ou bien. Alors, ce que je pensais faire. Ici, il n'y a pas trop l'air d'avoir de. Il y en a encore un là-bas qui a une épée. Donc, ici. Non, c'est pas ici. Attends, lui, est-ce qu'il est énervé? Il est énervé. Ah! Non, faut pas que j'aille me coincer. Ouf! Oh, je l'ai eu sans me faire toucher. Alors, est-ce qu'il y en a encore? Voilà, ici, il doit y avoir un énorme. Ah non? C'est pas là? Oui! Ça va, il n'y a pas l'air d'avoir trop de gâteau. Il y a un énorme lac de lave ici. Donc, ça veut dire que dans toute cette zone ici, il n'y a aucun pig zombie qui peut spawner. Du coup, je vais essayer d'aller là au-dessus. Oh putain, je dégage. Allez, on dégage. Il est où? Donc du coup, je vais essayer d'aller au-dessus, droit au-dessus de ce lac. Et je pense que là où je vais creuser une salle dans le Nether. Et du coup, il y aura beaucoup plus de pigs zombies qui vont spawner là-haut.
Parce que dans toute cette énorme caverne là, il n'y en a aucun qui peut spawner. Ce qui va déjà augmenter le spawn de pas mal. Et comme je serai collé au plafond, je vais verser les bidons de ciment pour faire une plateforme qui descend. Et les pics zombies, tout simplement, ils vont se balader, ils vont tomber au fond de la plateforme. De toute façon, je vais creuser là-haut dans cette direction, jusqu'à ce que je trouve l'endroit propice. Et on se retrouve quand j'aurai avancé un tout petit peu. À tout de suite. Je suis rentré chercher du matos. Je vais profiter pour me faire un arc. Et maintenant qu'on a le Sulfur Steel, on va pas s'en priver, hein. Alors l'arc puissant, bien évidemment. De la glu, tac tac. Ok, je crois que j'ai tout pris. Glu, glu. Tuc, tuc, tuc. C'est bien ça, hein. Os, os, os. Ficelle. Oh yeah, et j'ai l'arc puissant. Et il me reste quelques lingots de Sulfur Steel. On va faire des pépites. Tac. Donc un lingot, ça donne 9 pépites. On transforme tout ça en pépites. Et on va faire des pointes en Sulfur Steel. Tic. Voilà, ça fait des pointes. On va en faire plein. Et on va pouvoir faire des flèches hyper puissantes. Oula, que j'ai fait. Tac, tac. Parfait. Des plumes, j'en ai plein. Alors, 64. Tac, j'ai des bâtons. Et je crois qu'on peut aussi utiliser ça comme table de craft. Tac. Les pointes, les plumes. Oh yeah! On a les flèches puissantes. Donc ces flèches, elles sont peut-être deux fois plus puissantes que les normales. Mais on peut uniquement les tirer avec l'arc puissant. Avec les autres arcs, ça ne marchera pas. Et avec cet arc, l'arc puissant, si on tire des rotets d'arrow, les flèches que donnent les squelettes, les flèches se brisent. Parce que l'arc, il est trop puissant pour ces flèches qui sont tout caca. Et il faut avoir l'arc dans l'inventaire ainsi que les flèches à côté. Parce que si j'enlève les flèches, je peux pas utiliser l'arc. C'est impossible. Never. Alors il faut pas oublier. Voilà, petit rappel. Ça va être pratique pour tuer s'il y a des ghasts qui m'embêtent. Je prends un peu de matos et je vais continuer tout ça. Je vais profiter pour planter les arbres de sang, tiens. Ça va pousser. Donc je vais creuser. Bon, pour l'instant, on va les mettre là. Non, je vais les mettre dans la grande salle. Il y a toujours plein de pigs zombies ici. J'espère qu'ils sont pas énervés. Coucou, vous êtes énervés? Non. Allez, on va en planter ici. J'en ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ah non! J'ai pu penser. Je vais crever. Oh là là. Ah! Non! Oh bon Dieu! Ah mais moi je vous explique que quand on plante des arbres de ça, ça énerve les pics zombies et qu'est-ce que je fais pas? Sueur froide là, mais j'ai survécu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et parfois on est vraiment. C'est la tension quand on filme ça. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Vous avez vu cette violence? Il me reste trois queues. Oh, putain, j'espère qu'il n'y en a pas qui viennent derrière. Et en plus, il nous touche à un peu plus de un bloc de distance. Oh mon Dieu, vous me faites peur. Oh mon Dieu. J'ai pas envie de mourir. Bon. Oui, je continue tranquillou dans mon coin. À tout de suite. Bon, j'ai vraiment eu chaud aux fesses. Alors, est-ce qu'il y en a encore? Ils sont où? Piggy! Allez, crevez. Comme ça, vous aurez vu ce qu'il ne faut pas faire. Hey, il a déjà poussé. Oh! Ça pousse super vite. Il y en a encore plein de ces piggy là. Allez, meurez! Meurez tous! Attention. Est-ce qu'il y en a encore? Là, c'est bon. Coucou les piggy! Il y en a plein là.
Il est encore énervé. Tic. Tac. Bien. Bien mon chou. Bon, allez, je pense que je vais m'en sortir. On se retrouve quand j'ai avancé la construction. Attendez, je vais quand même vous montrer. C'est bon, il n'y en a plus là. Est-ce que vous vous êtes énervé? Lui, il est énervé. On se cache. Le tout, c'est pas paniquer dans ce genre de situation. Oula. Purée, mais ils sont vraiment violents, les baffes qu'ils envoient. C'est assez... Attendez. Bon, lui, là-bas, il a pas l'air énervé. Est-ce que t'es énervé? Oui, il est énervé. Ouh là là. Je peux plus courir. Viens, mon chou. Il est où? Prudence. Mince, qu'est-ce que je fais, moi? Il a dû être bloqué. Est-ce que je peux casser encore un? Ouais. T'es où? Viens, mon cœur. Hey! Bon, bref, en fait... Il est tombé ou quoi? Ah, il est en bas là. Bien. Bon, toi, tu vas mourir là. Voilà. Bien, toi aussi. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, du coup... Il y a un ghast là-bas. Oh oh, il y a encore un là. Oh. Ah. Est-ce que je vais essayer? Oh yes. C'est pas facile de tuer sans se faire toucher. Hein. En tout cas, je vous conseille de pas trop faire joujou avec ces petits zombies. Donc le lac, il est là. J'ai déjà creusé un bout de galerie ici. Je vais continuer, essayer d'aller accès au lac. Et on va faire gentiment la petite construction. Désolé pour ce petit couac que j'ai foutu avec les piggy. Allez, à tout de suite. Ça y est, là, je dois être pas très loin du centre du lac. Oh là. Ouais, les gars, c'est atroce. Oh là là, quelle violence. Purée. Oh là là. C'est vraiment la guerre avec ces ghasts. Allez, meurez. J'arrive. Faut que je les dégage, ces machins. Bien, mon mignon. Oh, il a tiré. Ah non, c'est bon. Oh, il y en a deux. Oh, ils ont tiré. Faut que je fasse gaffe. Parce que si ils cassent en dessous de mes pieds. Ah, peut-être que j'ai... Ouais, je pense que je renvoie la boule en tirant une flèche dedans. Alors, il est... Ouais, je pense que je vais un petit peu derrière ici. Par ici, ça doit être le centre, à mon avis. Alors, ce qu'on va faire, mesdames et messieurs... Ouais, il y a un ghast qui se baigne. On va dire que le centre, c'est à peu près par là. Je vais dégager... Je vais faire, je pense, des petites salles de... Qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être 15 blocs par 15 blocs. Par 2 de hauteur. Donc, je vais faire des carrés comme ça. Jusqu'à ce que je suis au plafond du nether. Je vais pas pouvoir faire beaucoup. Et après, en dessous, je vais couler du ciment. Et on va faire la salle de réception. Les pigs zombies, ils vont spawner et ils vont tomber au fond. Bon, je dégage déjà tout ça jusqu'au plafond du nether et on se retrouve après, comme ça on va déjà pouvoir constater s'il y a des pics zombies qui spawnent ou pas. Alors, à tout de suite. Il y a une petite zone ici. Mais du coup, je vais verser ce ciment là. Vu que les pics zombies ils peuvent pas... Oula, ouh, qu'est-ce qui... Faut que je fasse attention, moi. Comme je vous l'avais dit... les pigs zombies ne peuvent pas spawner sur d'autres blocs que de la netherracte. Dès qu'on change, que ce soit du bois, n'importe quel autre bloc que de la netherracte, rien ne spawn.
Du coup, les petits bidons de ciment, là, ils sont bien pratiques. Ça permet de recouvrir de grandes surfaces de stone. Il faudra que je fasse partout. Parce que là, j'ai fait 4 étages grands comme ça. Bon, c'est peut-être pas assez grand. Mais... il y a encore absolument aucun pig zombie qui a spawné. C'est bizarre quand même. Pourtant, ils ont de la place, tout. Ça, c'est mon attel. Ouais, il y a rien qui spawn. Je commence à avoir peur. Mais on verra bien. Je vais essayer de dégager un peu la zone. De voir s'il n'y a pas des... Parce qu'en fait... Je sais pas si j'arriverai à... Ah, peut-être par là. Coucou. Ouais, voilà. Là-bas, il y a une énorme plateforme. Et les piggies peuvent spawner. Alors peut-être que je vais devoir faillir. Je vais peut-être... Vu que j'ai des deux épées enchantées avec Looting 3, je vais essayer d'aller tuer des araignées de la jungle. Et d'obtenir le droop rare des araignées de la jungle. C'est des venons... Venom stack, je crois. Et ça permet de faire des potions d'invisibilité. Comme ça, du coup, je pourrais me balader. Et... pouvoir recouvrir la Netherrack avec mes bidons de ciment sans avoir peur des ghasts, parce que là c'est la catastrophe. Déjà pour fermer cette zone, je me suis fait canarder sans arrêt par les ghasts. C'est pas top. Ah, il faudrait vraiment que vous essayiez le mode pour vous rendre compte à quel point les ghasts ils sont violents. Oh, j'ai presque usé un bidon pour rien là. Bon, ça, je vais reboucher comme hack. Tic, tic, tic. Tic, tic. Voilà. Oh, il n'y a pas tout qui est recouvert cette fois. Sauf ici. Petit coin à boucher. Tac, tac. Ici, c'est tout bon. Yeah, je crois qu'on est pas mal. Ici. Il faut faire gaffe aussi de ne pas mourir étouffé par le ciment. Être bétonné vivant. Alors... Que je peux ressortir. Ouais, il y a presque tout. Ouh là là. Oh, j'ai du bol. Hey, le Natel. J'ai du bol, la lave n'est pas venue dans ma direction tout de suite. Dans le nether, la lave, elle s'écoule beaucoup plus rapidement que dans le monde normal. Faut être très prudent. Très, très, très. Bon, je bouge tout ça, on va regarder si j'arrive à faire spawner des zombies quand même. Sinon, mon usine, elle va pas marcher très fort. Ça va d'où prendre plus de temps que prévu. C'est ça qui est beau. Coucou les pics zombies. Alors, on va les astiquer. On se retrouve beaucoup plus tard. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Avant, on s'occupe des petits piggies. Ah, il meurt. Alors, ça fait un sacré bout de temps. Je suis même retourné à la maison. J'ai été enchanté. La pioche en diamant qui est arrivée au bout. J'ai efficiency 3, ça. C'est assez cool. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait 4 étages comme ceci. Je vais vous montrer mon horrible cage d'escalier. Alors ici, il y a le premier étage. Au niveau le plus haut, parce qu'après, il y a la bedrock. Là-bas, il y a une ancienne galerie qui mène, je ne sais même plus où. J'ai mis tout du bois tout du long. Comme ça, je sais que dans cette direction, les pig zombies ne peuvent pas spawner. Ici, il y a le couloir principal qui permet de rentrer à la maison. Pareil, j'ai aussi tout mis du bois. J'ai fait les cages d'escalier... ça, rien ne peut spawner dans les environs. Même ici dessous, il y avait une grosse grotte. J'ai versé des bidons de ciment aussi pour tout combler, pour éviter le spawn. Bon, bien sûr, j'ai pas tout fait. Il y a encore d'énormes zones. Bien qu'ici, on est déjà assez loin de l'usine. Donc, pour rappel, les mobs ne spawnent pas dans un rayon de 16 blocs autour de vous. 16? 16 ou 20? Je sais plus, 16 ou 20 blocs. Et par contre, à partir de 120 blocs de distance, ils disparaissent à tout moment. Donc ici, c'est une zone assez éloignée de tout. Donc, premier étage,
Cage d'escalier horrible, pas très pratique. Le deuxième étage. Le troisième. Et au final. Le quatrième. Ah, il y en a cinq. Le quatrième. Et le dernier. Le petit cinquième étage. Mais en fait, ça spawn pas beaucoup. Je pensais faire une toute petite usine. Donc là, on a 5 étages de hauteur. Et là, je pensais casser des blocs. En dessous, on a le vide. Attention avec des gaz d'ailleurs. On a un énorme vide. Et je pensais verser des bidons de ciment pour prolonger l'usine vers le bas. Et je voulais faire tomber les pics zombies et les faire mourir de chute. Mais c'est pas très performant comme usine. Parce que comme vous le voyez, attendez, si je casse un peu plus. Ouais, en gros, attention, il y a d'énormes zones encore que je devrais combler de ciment ou de blocs autres que de la netherrack pour que tous les pics zombies spawnent ici. Alors ça, j'ai mis en pierre, comme ça je peux repérer depuis le bas. Ce que je vais faire en fait, c'est que j'ai des épées looting au moulin et je vais essayer d'aller tuer quelques araignées venimeuses de la jungle afin d'obtenir leur drop rare, c'est des venom stack. Ça permet de faire des potions d'invisibilité. Comme ça, avec ça, on sera pas vu par les ghasts et je vais bétonner toute la zone pour qu'il y ait un maximum de pigs zombies qui puissent spawner ici. Et je pense du coup je vais pas finir l'usine à or dans cet épisode parce que la construction de l'usine ça va prendre énormément de temps, mais je vais faire une usine qui va rapporter énormément d'or rapidement. Ça va être cool. Du coup, bon regardez, en faisant l'usine j'ai tué pas mal de pigs zombies, j'ai eu 4 épées en or et j'ai eu 2 nuggets. Alors cette fois je ne suis pas fou, les zombies drop des golden nuggets. Par contre, c'est très très rare. J'en ai eu une fois en tuant avec un orc et une fois en tuant avec la battle axe. Donc, dans la toute dernière mise à jour, il y a dû avoir une modif sur les pics zombies qui peuvent parfois lâcher des nuggets. Donc, petit ajout qui est cool. Du coup, est-ce que je peux laisser des affaires ici? On va laisser un peu la netherrack, je vais prendre, comme ça on va la broyer. Ici, je vais laisser un peu le reste. Et on va aller au moulin, prendre mes épées looting et essayer d'aller tuer ces araignées venimeuses. Je sais pas encore comment les farmer, les araignées venimeuses. Je pense, à mon avis, qu'ils spawnent comme les poulpes, c'est-à-dire le matin, au lever de soleil ou au coucher du soleil. Après, pour les farmer, je sais pas. Là, peut-être qu'on va les attirer avec une poule, on va voir, on va faire un petit système. En attendant, on va sortir par ma superbe cage d'escalier. Vous avez vu comme c'est beau? C'est rustique. Ouais, ici, il y a aussi plein de pics zombies. Il va falloir que je protège toute cette zone aussi. Ouh là là, il y a plein de ghasts. Et ici, il y a mon fameux arbre de sang qui a poussé. J'ai oublié de vous dire, mais les arbres de sang, ils poussent infiniment. C'est-à-dire que là, je peux couper les feuilles et il va continuer de repousser à chaque fois que je coupe les feuilles. Et si je le place dans une énorme salle comme tout là-bas au fond, et que je plante tout au fond de l'énorme salle, l'arbre, il va devenir gigantesque. Il va pousser jusqu'à ce qu'il va toucher le plafond. Donc en fait, ces arbres, ils réagissent uniquement comme ça dans le nether. Dans le monde normal, on est obligé de les faire pousser avec des soulures et ils restent petits. Mais tandis que dans le nether, il pousse à l'infini. Donc ça peut être pratique pour avoir énormément de bois. Oh, une épée en or. On va pas gêner. Ah tiens, j'ai oublié de prendre les épées en or. Oh, il y a beaucoup de pigs zombies. Oh putain. Ouh là 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 là. J'espère que... Purée la violence. Violents ces pics zombies. J'espère qu'il n'y en a pas ici. Surtout qu'ils nous touchent à plus d'un bloc de distance. Il faut être super prudent. Bon, on va se casser. Hein. Mais il faut que j'aille chercher mes épées. Ouais, mais tant pis. Je les prendrai dans un peu plus tard, les épées. J'ai assez peur des pics zombies.
En plus, il fait jour. Allez, du coup, je ramène tout ça au moulin, je range un peu, on se prépare et on va aller farmer ces araignées venimeuses. A tout de suite. Oula! Oh. Je voulais venir chercher les épées d'or. Parce que... J'avais complètement oublié, mais j'ai plein de potions en fait. J'avais fait plein de potions pour aller tuer le dragon. Et comme un bourrin, je les utilisais pas pour venir ici. Alors attention, est-ce qu'il y a encore des... Des piggies? Ça me fait souci parce que j'ai dû tous les exciter là. Coucou. Ouh, putain, comment il a spawné là lui? Je sais vraiment pas comment il spawn cette équipe là. Allez. Oh, j'ai pas eu de crâne. Je me demande vraiment comment il spawn. Je sais pas si Flower Shield a modifié ça. Mais c'est space. Bon allez, je monte vite chercher les épées. Apparemment les piggies sont énervés toujours. Il est où? Il est tombé? On se casse. Cassos. Oh, il est parti. Allez, j'ai pris sur moi un peu tout ce qu'il fallait. J'ai mes deux épées looting 3 et j'ai pris plein d'œufs. Je pense que je vais faire une galerie pour aller au centre de la jungle, mettre un poulet, me cacher, attendre quelques jours et à mon avis, il y aura toutes les araignées venimeuses qui vont venir autour du poulet. Et je vais les tuer en masse pour pouvoir faire des fameuses potions d'invisibilité. Alors, est-ce qu'il y a des zombies dans mon... C'est vraiment pas pratique comme j'ai fait ça. Aïe, aïe, aïe. Mais vous verrez là, l'usine qu'on va faire, elle va être top. On va utiliser en fait le système avec les arbres de sang. Quand on plante un arbre de sang, les zombies sont attirés. J'avais fait des essais une fois. Et en fait, si je plante un arbre ici, ça énerve les zombies sur un rayon. Mince, je sais plus. Enfin, sur un rayon de tant de blocs. Mais les zombies viennent vers nous uniquement s'ils sont à moins à 15 blocs de distance maximum. Donc s'ils sont 15 cubes plus loin, ils courent vers nous. Donc on va utiliser un système assez spécial que on plante un arbre et ensuite tous les zombies vont être attirés vers nous et tomber et mourir. Alors les épées, allez, je prends tout ça. On se retrouve pour ces fameuses araignées. À tout de suite. Tout tout tout. Bande de petites salopards. Oh, vraiment puissant cet arc. Et lui qui... Oh, faudra que j'aille éclairer là. Il peut même sauter, venir dans ma base. Oh, il y a même un creeper qui a spawné là-haut. On n'est jamais assez prudent. T'es apparu où toi? Cripouille. Miser Record. Coucou. Ouf. Il était bien entamé, lui. Ça spawn ici? Ouais, je crois qu'il a spawné là au-dessus. Intéressant. Ça, on protège tout. Ouais, je vais refaire un petit tour par là-haut, éclairer toute cette région là au-dessus. Pour que ma petite usine à monstres gagne encore. Bon, alors, je crois qu'on est prêt. On est prêt, le soleil se lève, on va aller voir cette jungle. J'ai mes moutons qui sont presque tous morts. Putain. J'avais la petite réserve là-bas sous terre et il en reste plus qu'un. Heureusement, j'en ai deux ici. Je vais les garder là d'ailleurs parce que je crois qu'il y a un problème avec... les animaux, ils s'étouffent dans les murs. Faut vraiment que je fasse des parcs en ordre bientôt. Oh là là, il y a tellement de choses à faire. Je vais prendre quelques steaks. J'ai aussi profité pour nourrir un peu les chiens. Pour avoir du caca et faire des bâtons pour les outils en Soul Forage Steel. Allez, on se dirige vers la jungle. Ici, j'ai une énorme forêt. Ça va bien, j'ai du...
Du boulot, du sapin, des bois de la jungle. J'ai bientôt tout ce qu'il faut. Et en fait, dans le désert, j'ai oublié de vous dire, il y a. Donc, pour pas que les mobs spawnent, on peut utiliser tout autre matériau que la netherrack, bien sûr. On peut verser des bidons de ciment, c'est hyper pratique. Mais on peut aussi crafter une sorte de champignon vénéneux. Et quand on le plante dans le nether, ça se plante sur la netherrack. C'est une sorte de petit champignon qui pousse et qui pousse partout sur tous les blocs qui sont liés de netherrack. Et ce champignon, ça transforme le bloc. Et du coup, il n'y a aucun mob qui peut spawner dessus. Et si ce champignon pousse beaucoup, si on marche dessus, on explose. On explose, les mobs explosent s'ils vont dessus. Par contre, les items qui droppent, ils disparaissent. Le seul moyen de marcher sur ce champignon spécial, c'est d'avoir une armure complète en Soul Forest Steel. Du coup, ça pourrait être pratique pour utiliser pour stériliser le Nether. Mais le problème, ça demande du mycélium, de la terre de mycélium. Et ça, c'est très très rare, c'est dans les biomes champignons. Donc, du coup, on va abandonner cette solution pour l'instant. Alors là, on va faire un trou pour aller au milieu de la jungle. Il est où le milieu? Je fais une petite galerie sous terre. J'ai pas envie de me battre avec les araignées. C'est trop risqué. Alors, le milieu là, il y a un lac. Oh non. Oh non! Je croyais qu'elle spawnait pas la journée. Je l'ai tué, je crois. Oh, et je peux plus manger. C'est horrible. À moins que celle-là l'a spawné juste avant que j'arrive. C'est ce qu'elle m'a donné. Non, elle m'a pas donné. Elle a donné que de la laine. Du coup, on va creuser. Bon. Allez, je vais creuser par là-bas. Ah, faut que j'arrête de me démolir, moi. Et j'ai pris des œufs et on va mettre un poulet en otage pour attirer les araignées. Une petite torche ici. Je disais donc, les araignées peuvent spawner uniquement sur les feuilles de jungle. Par contre, je ne sais pas si on prend ces feuilles et on les apporte ailleurs. Ah non, mais à mon avis, on peut pas. Parce que c'est typique au biome. Il faut qu'on soit dans un biome jungle. Oui, c'est une caverne. Ça. Donc, dans les cavernes, elles peuvent pas spawner ces araignées. C'est uniquement sur les feuilles. Bon, ça va bien ici, une petite caverne. On va pouvoir faire un petit trou. Oula! Oula là là. En fait, ça a spawné là. J'espère qu'il n'y a pas de trou. Je vais barricader. Ouais, plus tard, on va devoir faire une usine à araignées. De la jungle. Ouh là là, il y en a plein. Bah tiens, je vais mettre un poulet par là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense que c'est bien. Un petit poulet, vu que les araignées sont attirées par les poulets. Allez. Alors, poulet. Ah, quand même. Je vais juste récupérer les omelettes quand même. Voilà. On va éclairer par ici. Ouh, putain. Faut que je fasse gaffe là, elles peuvent venir. Faut que je sécurise. J'ai peur. J'ai peur. Ouh là là, elles sont juste là. Dangereux ce que je fais, moi, dis donc. Tac. Hey! Il y a la pousse de Jean qui s'est mise sous la pierre. Ouh, elles sont juste là. Allez. Oh, barricade. Oh, j'ai peur, c'est tout sombre là-bas. Tac. Voilà. Alors, ici, bonjour. Il n'y a personne. Parfait! C'est la grotte adéquate. Alors, est-ce qu'il y en a ici? Tic. Là, on barricade aussi. Pompe en ordre. Ça, je peux casser ça aussi, je crois. Voilà. Nickel. Nickel. Ils sont dans l'eau. Allez, je prends ça, je remets un petit poulet ici. Ouais, il va falloir que j'étudie de près ces araignées. Parce qu'elles sont quand même pratiques.
Surtout pour faire les potions d'invisibilité. Parce que dans le Nether, sans potions d'invisibilité, vous oubliez quoi. Les ghasts sont bien trop violents. Je pense que vous vous en rendez pas compte si vous n'avez pas essayé, mais. Le Nether, c'est vraiment l'enfer. Contrairement à Minecraft par défaut. Alors voilà, j'ai mes poulets. Moi, je vais rester quelques nuits ici. Je vais peut-être nettoyer un petit peu la grotte. Et on se retrouve quand il y aura tout plein d'araignées. Du moins, je l'espère. Allez, à tout de suite. Bon, 2 jours ont passé. Mes poulets, ils n'ont pas l'air d'attirer énormément d'araignées. Le plus qu'il y en a eu, en fait, c'est quand je suis arrivé dans la jungle. Là, j'ai tout dégagé sous les feuilles parce que c'est pratique. Du coup, on peut voir. Il y en a une là. Il y en a une, donc on va l'attirer. Je pense qu'elle est attirée par le poulet. Ouais. Mais c'est même pas une venimeuse. Hein? Ouais, elle en a rien à foutre de moi. Bien. Ah, oh, faut pas que je détruise toute la jungle non plus. Coucou. Puf. Meurs. C'est même pas une araignée venimeuse. Alors, est-ce qu'il spawn? Oh, je suis en train de détruire la jungle. Je devrais pas faire ça parce qu'elles vont plus spawner. Bon, ici, on a une bonne vision sur l'extérieur. On va sortir quand même. Coucou. Il est où le squelette? J'ai entendu une araignée. Aïe! Ouh, il y en a encore une autre. Ouh là là. Et je l'ai même pas tué avec l'épée looting. Yeah, il faut que je m'organise un peu plus. Ouais, parce que ça a l'air d'être assez rare qu'il droppe des Venom Stack. Mamma mia, comment va-t-on faillir? Il y en a plus? Araignée. Faut que je fasse un petit coffre. J'ai l'inventaire complètement plein. Et j'ai pas assez de bois. Ben, on peut recomposer des planches avec ça. Je crois pas. J'ai même pas. Je suis dans une jungle, j'ai pas de bois. Oi, oi, oi! Quelle organisation! Bon, on va au moins se faire un atelier. Après, je vais aller prendre un peu de bois, me faire un petit coffre, stocker un peu ce bazar. Bon, on se retrouve quand j'ai réussi à faire spawner ces araignées. Il va faire nuit. On va bien voir comment ça se déroule. À tout à l'heure. Il y en a une juste au-dessus. Elle est où? Viens. Petit. Elle est là. Allez. Viens. Oui, viens, ma petite. Chérie. Ah, mais elle est attirée par le. Pour le poulet ou quoi? Wow! Gougnasse. Elle est là, elle est juste là. Elle cherche le poulet. Il y a un poulet juste là derrière. Ouais. Elle veut le poulet. Alors, attention, est-ce que je peux sortir ici? Combien est-ce qu'il y a un creeper qui vienne me flâner? Ouh, elle est juste là. Bien! J'ai peur. T'es où? Elle a rien à foutre de moi, elle veut le poulet. Viens ici, crève. Ouh là là, j'aime pas faire ce que je fais là. Ouh, comme elle a giclé. Non! Oh putain, elle gicle. Ah, c'est à cause de l'épée. Oh putain. Ouh là là, elle m'a piqué 2 fois, je crois. On se cache. J'ai pas envie de crever. Oh, c'est galère. Eh, tu fous. Oh, il s'est échappé. Oh là là, c'est galère ces araignées. Oh là 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 là, je pensais pas que ça aurait été autant de galère. Je vois même pas ce qu'elle m'a droppé. Bon, on va faire une approche différente. Demain, je sors d'ici. Je sors d'ici, puis on va zoner à l'extérieur de la jungle. On va les abattre. Oh, il va pleuvoir en plus. J'ai peur. C'est glauque qui naît à souhait comme lieu ici. Ouais. Bon, allez, à tout à l'heure.
Ouais, je me fais plus envahir de slim que d'araignées venimeuses. D'ailleurs, il va falloir aussi faire une ferme à slim. Parce que ça donne l'Arcane Scroll Protection. C'est quand même pas rien. Hein. Ouh, putain. Il faut faire gaffe aux slim. Hein. Ils sont... Oh putain, il y en a plein. Parce qu'ils font énormément de dégâts. Quand même. Allez, on sort de cette mare là. Je vais quand même tous les buter parce qu'il y en a beaucoup. Des fois, on pourrait avoir un petit Arcane Scroll par bol. Et ils ne savent pas nager, ces abrutis. Je crois qu'il n'y a rien de plus con que les slim. Mais oui, c'est bien. Pas d'Arcane Scroll. Bon, est-ce que je récupère les slim balls? Ouais, allez. Des petites slim, faire plein de sticky pistons. Ça n'a pas grosse utilité, les slim, en fait. Ça a de l'utilité pour les pistons et puis pour pas grand-chose d'autre. Bon, on va voir s'il y a des araignées ou quoi. Plus de slim que d'araignées. Parce que mon histoire de poulet, là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Quelle galère. Un suicide de slim. Alors les araignées, allez, je vous attends là, venez en masse. Vous spawnez comment, nom de Dieu? C'est vraiment étrange comme bestiole. Je n'ose quand même pas rester au sommet d'un arbre d'un jungle de nuit. Alors, regardez bien si vous en voyez. Petit, petit. Ça marche pas, hein, mon histoire de poulet. Pourtant, elles sont bel et bien attirées par les poulets. On va jamais s'en sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il y en a quand on veut, quand on n'en veut pas. Il y a des chats. Ah, ben voilà, il faudra que j'apprivoise un chat aussi. Puisque j'ai perdu mon dernier matou. Pardon. Oh. Bon, allez, je fais le tour de la jungle. Jusqu'à avoir un combat. Petit, petit. Ouh, dis donc. Et il faut... Oh, il faut faire extrêmement gaffe. Hein. Vous vous rappelez de la mise à jour qu'il y a eu avec le... Oh, hé, un mineshaft. Si on passe sur du sable, qui est en lévitation, il s'effondre. Bon, là, apparemment, j'ai du bol. Il est pas... S'il n'y a pas de bloc solide en dessous du sable, ça s'effondre. D'ailleurs, ici, ça s'est effondré. Et il y a un mineshaft en dessous. C'est cool, on va noter le lieu. Pouf, pouf, pouf. Un mineshaft tout près du domicile. Parce que les araignées venimeuses des mineshafts, ça n'a rien à voir avec les araignées de la jungle. Ça donne pas de drop rare, de venom stack. Bon, les araignées, là. Vous voulez pas spawner. Oh, bah, il y en avait une juste là. On va la battre. Viens ici, petite chérie. Oui. Est-ce que je vais réussir à la tuer sans qu'elle m'empoisonne? Elle a l'air buggée en plus. Et c'est un échec. Oh, et j'ai l'inventaire plein. J'aurais dû le vider dans le coffre. Font vraiment bobo, hein. Allez, j'ai encore deux potions de santé. Next, please. Oh, il y a un piggy. Tu t'es pas fait bouffer, toi? Je vais te laisser en vie. T'as de la chance. Araignée! Alarme! Elle est où? Ça grouille de partout. Elle est où? Elle est là! Viens ici! Maudite! Oh! Oh! Elle a droppé quelque chose. T'as droppé quelque chose, non? Ah! Putain! Et je vais claquer. Non, je veux pas claquer. Oh putain! Oh gloom! Ouh! Oh, c'est chaud. Ah, potion de santé.
Je déteste les araignées. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Il va faire nuit ou quoi? Ils ont rien droppé. Pourtant, je les ai tués avec là. Est-ce que j'ose sortir? Non, j'ose pas. Attention, Hunter. Ah, mais non. Oh. Oh. Oh, j'ai eu. Il n'y a pas d'autre. Mon premier. Cherche un mail. Venom Stack. Donc, c'est cette glande qui ressemble au poulpe qui permet de faire les potions d'invisibilité. Bah ouais, je me disais que ces araignées, elles spawnaient un peu comme les poulpes parce que. Je crois que ça a été programmé à peu près en même temps. En même temps qu'il a modifié les poulpes, il aurait fait ces araignées. Ou peu de temps après. Puis les glandes mystérieuses que lâchent les poulpes, ça ressemble vachement. Il va faire nuit. Ça ressemble vachement aux glandes de ces araignées. Ouais. Bon, du coup, je vais avoir quand même pas mal de travail de recherche à faire sur ces araignées. Je vais aller me cacher dans le désert pour la nuit. Comme ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de poulpes. Je vais me faire un petit abri et je continue. Tranquille, je vais faire le tour de la jungle. Je vais essayer d'en avoir quand même 2-3. Là, on va dire que j'ai tué combien d'araignées? Je pense que j'en ai tué quand même. Allez, on se fait une petite maison ici. Pour le fun, c'est un abri qui peut toujours servir en cas de guerre. Toute petite baraque. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Mais oui, je veux faire plusieurs potions. Car on va passer du temps dans le désert. Ça va prendre du temps de tout sécuriser. Tu vois, elle est belle cette maison. Ah, je suis tombé. Faut que je me dépêche quand même, ça va spawner d'ici peu. Tic 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 tic. La maison de cailloux. Tac tac. Et on est à l'abri. Wouhou. Face à la lune. Et au SMS. Et... Oh mon dieu! Oh yes! Ouais, j'ai eu une superbe glande! Et je vais super mourir ou quoi? Ah non, je peux pas boucher le dessus. Je creuse sous mes pieds. Jamais faire ça! Tic! Et on patiente. Faut faire gaffe avec ces conneries parce que si on n'a pas de torche sur soi, on risque fortement de crever. Je vais baffer ce slime. Tout seul, comme un grand. Oh oh. Pas grand chose par là. Ben... Oh putain. Oh là là, dans quoi je me suis mis comme galère. Il y a une énorme grotte ici. Oh là, faut pas qu'une araignée me tombe sur la gueule. J'avais un bug de chunk, je voyais pas ce qu'il y avait au fond. Allez! Ouh. Heureusement que je suis pas tombé là-dedans. Ah là là, quelle aventure! Oh! Oh, c'est quoi? Oh, je crois pas! Il y a un générateur ici! Salut les zombies! Allez! Un donjon! Ouais, vraiment très haut! Allez, on va vite éclairer! Coucou! Est-ce qu'il peut spawner là? Non, je crois que c'est tout! Oh! Hein! C'est pas croyable ça! Il y a deux donjons! Oula, est-ce qu'il peut passer? Faut que je fasse! Ah ben ouais, quelque chose d'hors norme! En fait, j'ai longé depuis là-bas, je suis venu ici, tic tic tic, et il y avait cette petite grotte ici. Je vais m'y abriter, j'ai plus de torches. Il y a deux donjons, il y a un spawner à zombies et à squelette. Coucou les gars! Putain! Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive ça. On va faire des torches. On va les sécuriser. Bon, en fait. Ici, on pourrait exploiter vraiment pour
faire un générateur de moonstone, puisqu'en fait les monstres des donjons, on peut faire une usine pour l'XP par exemple, mais on peut pas utiliser les mobs qui sortent des générateurs pour obtenir des arcane scrolls. Ouais, tous les mobs qui sortent des, que ce soit araignées venimeuses, squelettes ou zombies, ils dropperont jamais d'arcane scroll s'ils sont issus d'un mob spawner. Mais ici, je vais noter l'emplacement parce que ça peut permettre de faire quand même une ferme à XP ou une ferme à Mostone. Parce qu'il y a deux donjons côte à côte. C'est la première fois que je vois ça. En plus, pas du tout en profondeur, dans une petite montagne. Par contre, les araignées, c'est pas glorieux. J'ai toujours que deux glandes. Il faut au moins que je m'en fasse 6 potions. Bon, dans les coffres, il y a le train-train quotidien des sels, des bouquins. Je vais pas les prendre parce que c'est pas très utile pour l'instant. Eh, calmez-vous là avec mon attel. Bon. Ben voilà, une petite jolie découverte. Allez, moi je continue l'assaut des araignées. Hey. Les araignées par là au-dessus, quoi. Elles sont au-dessus. Est-ce qu'on va les voir? Ouais, allez. Il semble qu'il y en a plus. Yeux. Hey! Oh putain. Comment t'as spawné, toi, là? Il faut que je sois... Que je fasse gaffe parce que... J'ai plus d'armure sur moi. Ici, allez, on va mettre partout des torches parce que... C'est bizarre qu'il a pu spawner le squelette là. J'ai perdu 4 coeurs en une flèche ou bien? C'est la folie! Ouais, je suis un peu foufou. Il faut que je repense à me faire une armure. Je sais pas pourquoi je l'ai pas d'ailleurs. Ah, mais j'avais une armure en diamant que j'ai perdue, je crois. Je sais plus. Je sais plus, on est foutu! Mais elles font quoi? Elles se battent les araignées ou quoi? En plus, il pleut. Oula! Elle est juste là. Ouh. Oh, s'il y en a une autre. Je suis foutu. Bon. Oh, elle m'a pas donné de glande. Je crois qu'il y en a juste une là-dessus. Quelle aventure. Oh, du charbon. Trouver du charbon en minant au pif dans le noir. Tip top, j'ai plus de torche. Toujours avoir une torche sur soi, minimum. Bon, ça refait un petit stock de torches. Comme ça, je peux baliser le chemin depuis les mob spawners jusqu'au. À mon moulin. Parce qu'on va revenir ici, faire l'usine à Mostone. Ouais. Oh, j'ai une glande. On ferme vite. Bon, 3 glandes. Plus que 3. Et à chaque fois, elle risque de me tuer. Hein. Se battre avec une araignée, ça n'a que 3 coeurs. C'est perdu d'avance, donc il faut attendre. J'aurais dû prendre plus de potions de santé. Allez, je reste tranquille. Oh, 4 glandes. Oh yeah, sans trop bouger de ce coin. Mais là, on va bouger. J'en ai marre. Oh, il y en a une là-bas. Tuf. Ouh, ça va être chaud. Oh, il y en a une là-dessous encore. Eh, peut-être que je vais me faire plein de glandes ici. Oh non, elle a réussi à me toucher depuis là. Allez, touche-moi plus. Oh putain. Oh, 5 glandes. Bon, là, je me cache parce que sinon je suis mort. Oh, et j'ai pas de torche, j'ai pas de charbon. Ah, j'ai du bol. Heureusement qu'il y a des feuillages. Parce que s'il n'y a pas de feuillage, là, comme je serai enfermé, je serai dans la nuit complète. Et sans torche, je serai mort de trouille dans le noir au bout d'un moment. Ouais. Le noir avec Better Than Vol, c'est violent. On en meurt. Oula, il peut passer par là.
Bon, tout se passe bien, hein. Encore plus qu'une glande et on est prêt à aller faire les potions. Je suis bientôt sorti de cette maudite jungle. Oui. Parfait. Oh. Ça fait du bien. Enfin, en sécurité. Enfin, pas trop. J'ai fait un petit chemin de pierre comme ça. On retrouvera le mob spawner. Alors, Siglande. Siglande, c'est déjà pas mal. Mais. Je suis où ici en fait? Ah, mais je croyais que. Putain, je me suis perdu. Je dois être derrière ces montagnes, je crois. Hein, je connais pas du tout les environs. Purée, j'ai dû marcher un paquet dans cette jungle. On dirait que je suis jamais trop venu par là. On va essayer de monter. On va monter pour voir où on est. Oh, en plus il fait nuit. Dieu sait où je suis passé. J'espère que je vais retrouver mon domicile. Bonjour. Ouais. Ah, là-bas il y a le marais. Ouais, je dois être là-bas derrière. On va aller voir ça. Vite avant que les mobs spawnent. Bon. Après avoir passé, je sais pas combien d'heures de combat contre ces araignées, je crois que j'ai plus peur des autres mobs. Aïe! Ça fait mal. Oh, il y a de la lumière par là. Ah, c'est de la lave. Oh là là. Ah, là-bas, il y a des torches. En fait, je suis derrière mon domicile. Tic, tic, tic. Oh, oui. Ça, c'est la montagne que j'ai éclairée. Ah, et là-bas, il y a mon stand pool. Ah, ouais, c'est bon, je vois où je suis. Ah, mais en fait, j'étais vraiment pas loin. Bon, il fait quand même nuit. Ah! Non. Bon, je vais me cacher ici. Là-bas, c'est mon domicile. Je vais faire le petit chemin de pierre. Là, c'est où il y avait mon premier stand pool. Et on se retrouve pour faire les potions. Allez, à tout de suite. Wouhou, j'arrive enfin chez moi. Oh, ça fait plaisir. Ben, ce fut un épisode extrême pour moi. Parce que déjà, dans le désert, j'ai failli mourir. J'avais oublié que les pics zombies étaient attirés lorsqu'on plantait les arbres de sang. En plus, je crois que je vous ai dit une bêtise. Si on plante un arbre de sang, je vous ai dit que les pics zombies étaient attirés par vous 15 blocs plus loin. Mais en fait, c'est 17. Donc, ils sont attirés à partir de 17 blocs de distance. Et en hauteur, je crois que c'est 15 blocs. Bref, du coup, on va enfin pouvoir faire ces fameuses potions depuis le temps que je farme ces araignées. Ici, j'avais des Ankh-Warg potions. Il faut que je pose un peu de bazar. On va mettre dans ce coffre ici. Ouais, j'ai plein de bazar ici. Ça, je trierai tout. Alors, donc normalement, on met la mystérieuse glande là. Donc ça, c'est une potion. C'est de l'eau juste avec de la netherwort. On obtient une Ankh-Avkvark potion. Et avec la glande, normalement, ça fait une potion d'invisibilité. On va voir ça tout de suite. De 3 minutes, je crois. Pouf. Voilà, potion of weakness. Et qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est ça, hein? Weakness. Et ensuite, on ajoute de la brimstone pour rallonger le temps. Tac. Non? Alors, on ajoute du ça. La witchwort, la plante de la sorcière. Ouais, voilà. Et normalement, on obtient. Mais je veux voir quelque chose, je suis curieux là. J'espère que je ne me suis pas planté. Hein. Ça me ferait une glande de gaspiller. Potion of invisibility. On ne peut pas les faire. Invisibility. Slowness. Je me suis planté. Ah, attendez, il faut que j'affiche le. Ouais. Parce que par défaut, dans Craft Guide, c'est désactivé. Donc il faut venir dans le menu ici. Et ici, cliquez sur le stand potion show recipe. Et du coup, invisibilité. Donc, Netherwart. Gastyrs. Voilà, venant sac, invisibilité. Mais moi, j'ai eu weakness. Pourquoi j'ai eu weakness? Invisibilité 8 minutes.
Ouh là, ça prend du temps là. Ah, mais quand je mets sur Craft Guild, ça met en pause. Alors, c'est quoi ça? Weakness. C'est faiblesse, hein, je crois. Oh là là! Brimstone, tac tac, weakness. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je vais vite me renseigner parce que là, j'ai dû. Enfin, on attend que ça finisse ici. Tac. Weakness, 4 minutes. Je vais vite voir et on se retrouve tout à l'heure. Eh ben ouais, je me suis planté. Ça, c'est bien des potions de faiblesse. Peut-être que je peux réinverser. Parce que normalement, il fallait que je mette un œil d'araignée normal avant. Je sais pas si on peut inverser. Tuc. Non, ça fait plus rien. J'ai fait des puissantes potions de faiblesse. Bon, on les garde. Je sais pas si ça va me servir à quelque chose. Du coup, donc, tac. Un œil comme ça. On va en refaire trois. Tic. Allez. Pouf. Ah, mais en fait, je peux faire plein de potions. Puisqu'avec un, je peux faire trois. Mais oui. Ça va aller. Water bottle. Oh. Je veux pas des water bottles, mais. Qu'est-ce que je fous? Tac, trois comme ça. On met tac. Un œil. Pif. Celui-ci, il a fini. Night vision. Voilà, on a peut-être des potions de nuit avec l'œil. Et ensuite, on met la glande. Voilà. Et normalement, ça devrait jouer. Alors. Ça va faire 6 potions. Ouais, parce que dans le Nether, c'est impossible de travailler sans potion d'invisibilité. En plus, je sais pas si je vous ai dit, mais voilà, invisibilité. Et avec ça, non. Alors, avec les trucs de sorcière, on augmente le temps. Je sais plus si je vous ai dit, mais les arbres de sang, en fait, ils poussent indéfiniment dans le Nether. Tant qu'il y a de la place en hauteur. Donc peut-être ce que je vais faire, c'est que dessous la petite mob trap à or que j'ai fait maintenant, je vais planter plein d'arbres de sang et tout bétonner. Les arbres de sang, ils vont pousser, puis comme ça, du coup, j'aurai en plafond tout un espace dans lequel je pourrais miner, travailler pour construire la future usine à or. Elle va être énorme. Et je vais prendre un modèle qui est assez connu. Je vous en parlerai dans le prochain épisode. Je suis désolé que. Voilà, 8 minutes d'invisibilité. Ah, c'est quand même parfait ça. Je vais faire toutes les potions et préparer pour aller dans le Nether. Mais ça, pour cet épisode, je crois qu'il est assez long. D'ailleurs, je suis désolé, ça faisait un moment que j'avais pas posté de LP. Mais plus j'avance et plus les constructions demandent du temps. Et le problème, c'est que du temps, j'en ai de moins en moins du coup pour vous. Du coup, j'arrive pas à faire en un seul épisode à tout collecter les ressources et à vous présenter la construction d'une usine. Mais je vais essayer. Bientôt, peut-être, j'aurai des vacances, un peu plus de temps libre. Je pourrais faire des épisodes un peu plus élaborés. Mais du moins, j'espère que ça vous a plu. C'était un épisode quand même intéressant, tendu de mon côté. J'espère qu'au final, ça donnera bien. Sur ce, je finis ces potions. Je prépare le matériel pour le prochain épisode. Et on verra aussi dans le prochain, avant d'aller faire l'usine à or, je vais faire une petite usine rapide à Soul-Urn. Un tout petit truc tout simple, vite fait, qui permet d'avoir rapidement des Soul-Urn en cas de besoin. Et puis voilà. Alors gros poutou et à bientôt. Ciao ciao!